Mes salutations à toi, c'est l'APC. J'espère que tu vas bien. Si tu es ici, c'est que tu as ce besoin de dormir, ce besoin de te relaxer, de t'apaiser, de faire du bien et de ressentir aussi de l'ASMR, ces stimuli qui font du bien. Alors, bienvenue à toi dans cette séance d'hypnose guidée qui t'emmènera dans l'univers magique de l'histoire sans fin. Dès à présent, je t'invite à t'installer confortablement dans un endroit calme et tranquille, un endroit où tu ne seras pas dérangé pendant la durée de cette séance. Je vais osciller entre le chuchotement, la voix douce, parce que j'adore ça. J'adore écouter de la voix douce, alors indirectement j'adore le partager aussi, la partager cette voix douce et ce chuchotement. Ça y est, tu as eu le temps. Tu es installé. Alors, ne perdons plus de temps. Allons-y. Je vais te demander de fermer tes yeux et de commencer à respirer profondément, toujours. La respiration engage la voix de l'apaisement, la voix de la sérénité, de ce calme. Respirer profondément, c'est être aussi à l'écoute de son corps. Alors, remplis-toi de toutes les bonnes choses qui t'entourent et quand tu expires, rejette ce que tu ne veux plus en toi. Alors inspire, expire profondément, lentement. Inspire, expire profondément. Comme ceci, c'est très bien. Imagine-toi à partir de maintenant dans une forêt dense, sans le vent. Brise légère et tu observes que dans cette forêt dense, les arbres sont immenses et les rayons du soleil scintillent à travers les feuilles, à travers les feuilles. Tu marches tranquillement sur un chemin qui t'emmène. Ce livre, c'est l'histoire sans fin. Tu te rapproches de plus en plus près de lui. Et tu remarques que les pages du livre semblent être remplies de lumière. Ouvre doucement le livre et ce qui te surprend davantage et qui te fascine le plus, c'est que le livre s'écrit au fur et à mesure des lettres apparaissent
doucement. Par curiosité, tu lis ce qui s'écrit, et là, tu le vois sous les yeux. Tu en es témoin. C'est magique. Il s'écrit. Le lecteur s'approchait de l'histoire sans fin et fut étonné de constater que ce qui se trouvait devant lui n'était rien d'autre que son histoire à lui. C'est étrange, mais tellement en phase avec tout ceci, cette magie, cette dorure, tout. Tout est en phase finalement. Et là, tu te retrouves comme aspiré profondément et à l'intérieur de ce livre. Et tout autour de toi, tu vois ce monde se construire très rapidement. Ce monde qui s'appelle Fantasia. Ce monde rempli de créatures étonnantes et de paysages époustouflants. Tu es accueilli par le personnage principal, Bastien. Il t'invite à explorer ce monde merveilleux avec lui. Ce monde merveilleux. Et vous commencez à voyager à travers les vastes terres de Fantasia, ce monde fantastique. Rencontrer la reine des glaces qui vous offre une boule de cristal magique pour voir toutes les merveilles de Fantasia. Et dans celle-ci, tu l'aperçois brièvement. Oui, la petite impératrice, celle qui régit ce monde magique. Cette brève apparition te remplit de joie, de joie. Et tu te dis que dès à présent, tout sera possible parce que tu le sais. Si elle est ici, alors l'enchantement prendra de plus en plus vie. Puis tu entends dans tes pensées. Aide Fantasia, aide-moi, je suis l'impératrice et j'ai besoin de toi. Inspire. Expire. À fond. Inspire et prends l'énergie, vas-y. Inspire. Et expire tout ce que tu inspire encore une fois et expire comme ceci. C'est très bien. Tu es prête, prêt pour le voyage. À partir de cet instant, plus léger, plus léger, plus apaisé, plus calme, plus serein,
en parfaite harmonie avec ton vrai toi. Tu ressens une énergie positive s'insuffler en toi. Laisse sa chaleur t'envelopper comme une couverture douce. Si tu en as besoin, tu peux même écouter la musique paisible derrière nos voix. Si tu as l'habitude d'entendre mes voyages, tu sais qu'il est temps. Qu'il est temps de partir vers le sud. Je vais à présent compter jusqu'à 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma main est là pour toi, pour te guider. Croiser Falcor, un dragon puissant qui vous demande de monter sur son dos pour voler dans les cieux. Vous traversez une mer de nuages et rencontrez un groupe de fées qui vous donne des pouvoirs de guérison. Vous continuez à explorer ce monde fantastique jusqu'à ce que vous atteigniez le point culminant de votre voyage, la rencontre avec le rien. Cette force obscure. Mais avec l'aide de Bastien et d'autres personnages fantastiques, bien sûr, que vous avez rencontrés au cours de vos routes, de votre voyage dans les cieux, de votre petit voyage Fantasia, eh bien, vous vous sentez capable, vous êtes capable, tu es capable, tu te sens capable de vaincre le rien, le néant, et de sauver Fantasia, puisque tu le sais. C'est pour elle, c'est pour l'impératrice, c'est pour elle, tout simplement pour elle. Oui, et ça fonctionne. Parfaitement. Là, tu es encore en ces lieux à savourer cette victoire avec Bastien dans le monde de Fantasia, ce monde magique, féerique, où tout n'est que
rapidement possible. Et petit à petit, tu reviens à la réalité, en gardant avec toi ces souvenirs de ce voyage incroyable que tu viens de vivre. Tu te sens reposé, inspiré et prêt à faire face à tous les défis de la vie. Lorsque tu ouvres les yeux, ou lorsque tu ouvriras les yeux, tu te rendras compte que tout est encore en toi. Tu te sentiras revigoré et prêt à affronter ta journée. J'espère que cette hypnose t'a aidé à te plonger dans l'univers de l'histoire sans fin, et surtout t'a aidé à te ressourcer, à puiser cette force en toi, cette force qui est là, qui est là, qui est là, qui est là, cette lumière qui brille de mille feux. Nos chemins doivent se séparer, mais je te le promets, je reviendrai à très bientôt. Si tu apprécies cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à partir vers un autre voyage avec les vidéos que je te propose. À très bientôt.